Bonsoir, ça va être peut-être la deuxième fois de tous les directs que j'ai fait, que je puisse faire un direct. Ouais, peut-être la troisième fois que je le fasse, deux fois en une journée. Et si tel est le cas, je le fais parce qu'il y a l'urgence. Il y a l'urgence des informations, puisqu'on traite des informations minute by minute. Et il est exactement 23h10, heure de Paris. J'estime que beaucoup sont en train de dormir. Ouais, qui s'apprête pour demain, mais vous allez comprendre qu'il est important de faire cette sortie aujourd'hui pour un complément d'information. C'est vrai que dans le direct de ce soir, nous avons évoqué, nous avons parlé de Madame Njomo Stéphanie, je ne vais pas appeler combattante, parce que, bon, excusez-moi du terme. Donc, comme vous l'avez aussi vu, remarqué peut-être dans les réseaux, ce soir, elle a finalement été transférée à Nobel. Mais je fais cette sortie pour prévenir non seulement l'opinion nationale et internationale pour ce qu'il se prépare derrière l'incarcération de cette femme. Non pas seulement à elle, mais c'est au-delà. On me dit qu'il y a un problème de volume. Ok, attendez. J'espère que vous m'entendez là maintenant. Si le volume est bon, ça va. Mais en même temps, il se fait tard. Moi, j'ai des voisins. Et vous savez comment c'est ici en Europe, c'est vrai que des fois j'abuse quand même, parce que eux déjà ils ne sont même pas très. Moi j'ai une façon de parler, et du coup ils se plaignent tout le temps, mais en même temps c'est pas grave. Mais là vous m'entendez, j'espère que vous m'entendez, le volume est bon. Fantomas, est-ce que tu peux me confirmer ta présence, s'il te plaît, Fantomas? C'est pas audible! C'est pas audible. C'est pas audible. C'est bon? Ok. Maintenant, on me dit c'est là. Ok. Oui, bonsoir. Oui, en fait, je te disais tout à l'heure hein, que c'est peut-être la troisième fois que de toute l'histoire de mes directs que j'essaie de faire, c'est peut-être la troisième fois aujourd'hui que je dois faire deux directs en une journée. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le direct. C'était pour expliquer. Mais ouais, j'ai un frère voyou là, qui est là. Ouais, Williams, je te salue depuis Dakar, petit voyou. Attends. Je t'écoute pas. Le vomi, le ouais, le volume est bon. Bon, c'est un autre voyou là qui m'embrouille. Ok. William, le volume est. Non, mais ça va, Angola me confirme, c'est bon le volume. C'est bon, les gens dorment. Petit voyou de Williams. C'est un sardinat, hein? Le Williams Nasubala. Et ce que vous voyez là, c'est un gros sardinat. Il a fui lui aussi. C'est un gros sardinat que je vous donne son histoire. C'est un gros sardinat. Il est très critique envers nous. Voilà. Il est un gros tribaliste. Un gros tribaliste en même temps. Ouais, Willy, tu es un gros tribaliste. C'est un ami, mais il n'aime pas. Il est très tribaliste aussi. Sardinat tribaliste en même temps. Mais curieusement, pour aller faire le business, la société là, hein? Qu'on devait créer là. Il allait à Dakar créer la société. Or, le pays qu'il aime, il n'a pas créé le business au pays. Mais il est parti curieusement créer le business à Dakar. Continue de soutenir le régime en place, petit bandit. En tout cas, tu es dans le direct, tu vas écouter les choses. Ben, je t'ai disant tout à l'heure que il y a un complément d'information qui est très important à faire. Nous n'allons pas dormir parce qu'il y a des choses qui se préparent derrière là. L'incarcération de Madame Stéphanie Njomo. Mais je tiens à rappeler une fois de plus, Madame Njomo, c'est fait parce qu'il faut démentir, pas démentir, en fait, il faut expliquer ce qui s'est passé. Elle a été arrêtée, elle a été torturée et menacée. On lui a demandé de faire un démentir, ce qu'elle a fait. Elle a accepté que c'était son témoignage, c'était un mensonge. Elle était payée pour ça, pour faire ce témoignage. Elle a avoué, elle a signé. On peut comprendre. Il ne faut pas juger directement. Sur le coup de la pression. Parce que cette dame est malade. Elle est asthmatique et diabétique. On lui a dit, si elle témoigne, que si elle dément sa déclaration est innocente, si elle dément cette déclaration, elle sera libérée. Et la pauvre, étant fragile, abandonnée à elle-même. Elle a laissé un enfant de 2 ans à la maison. Elle s'est dit, ok, je vais faire ce démenti. Moi, j'aurai la garantie de ma
libération. Dès qu'elle a fait cette déclaration, signé même ce procès, qu'elle a menti sur le témoignage, qu'elle a été instrumentalisée pour livrer ce témoignage à Equinox, on l'a renvoyé devant le procureur. Qui lui l'a entendu? Elle a été enregistrée. Où on explique, où elle déclare avoir été instrumentalisée, payée pour rendre ce témoignage à Equinox. Mais elle le faisait, le procureur, parce qu'elle est passée devant le procureur de la République, elle le faisait en croyant, parce qu'on l'a, on l'a rassuré, tout le monde, que ce soit le procureur, on l'a rassuré, en lui disant, si elle faisait cette déclaration, elle devait être libérée. La pauvre, n'étant pas assistée, ne sachant pas son sort, parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais, il y a de plus en plus une mobilisation, il y a une férocité qui est exercée sur les Camerounais, qui osent dire ce qu'ils vivent au quotidien, dont le régime en place a décidé de réduire par tous les moyens au silence ces Camerounais qui voudront dénoncer le régime en place. Donc devant le procureur, on lui demande, de par ses déclarations, dans le procès verbal et l'enregistrement qui a été fait, qu'elle reconfirme et elle sera libérée. C'est ce que Madame Stéphanie Ndjomo a fait. Elle a fait une déclaration sous la pression de ses bourreaux où elle estime être instrumentalisée, payée pour raconter ce qu'elle nous a raconté à Equinox TV. Mais ça n'a pas empêché ces derniers de transférer Madame Stéphanie Ndjomo à la prison de Newbel ce soir. Vous avez cette information. Mais ce que nous voulons vous dire, il y a une information qui nous remonte. Aujourd'hui, on veut utiliser, c'est pour ça qu'elle est gardée, cette pression. Ils veulent utiliser Madame Ndjomo Stéphanie de sortir, de fabriquer des éléments pour démontrer qu'elle est militante du MRC. Je tiens à vous rassurer qu'elle n'est pas militante. Ne voyez pas ce qui circule sur la toile. C'était une préparation. Mais les informations. Qui dit que tu étais là, bro? Mais comment il est idiot, celui qui vient dans le direct? Il dit, tu étais là. Je veux bien qu'il définisse qu'est-ce que l'investigation, le monsieur qui me dit, tu étais là. Quand on fait des investigations, vous ne savez pas comment ça se passe. Donc, ils ont transféré Madame Stéphanie Ndjomo à Newbel parce qu'elle estimait être libérée. Mais ce qu'on recherche derrière l'histoire de Madame Stéphanie Ndjomo, on veut à tout prix utiliser cette dame pour démontrer, parce que sur la toile, maintenant, voilà, les gens ont vu sur la toile, il y a des gens qui faisaient cette coloration, qui coloraient directement, hein, Madame Ndjomo d'être sympathisante ou bien d'être militante du MRC. Et vous voyez que ça n'a pas pris. Elle fait pas la politique. Elle n'est pas du MRC, cette dame. Elle n'est pas du MRC. Elle n'est pas du MRC. Donc, des informations qui nous remontent sont telles que
On veut utiliser Madame Stéphanie Djomo, démontrer, manipuler l'opinion nationale en leur expliquant qu'elle, militante du MRC, a été payée par le MRC pour instrumentaliser la guerre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour déstabiliser l'État du Cameroun. Et le but derrière, utiliser ce prétexte pour mettre en difficulté le MRC et appeler à la dissolution de ce parti. C'est ce qu'il faut comprendre. Cette dame, elle a vécu une histoire qu'elle a racontée au peuple camerounais. Tous ceux qui l'ont écouté, qui l'ont entendu. Parce que lorsque ce qui se nomme, c'est révèle du mensonge, ça peut très bien être visible. Même lorsqu'il s'agit d'une comédie ou un pur montage, nous pouvons le ressentir. Mais tous ceux qui l'ont écouté, qui l'ont entendu, savent très bien que cette femme n'a que témoigné ce qu'elle a vécu. Nous avons écouté sa famille, ses enfants, son beau-père qui l'a accueilli, qui insistait encore que cette femme ne joue pas sur le terrain politique. Elle explique juste un fait, son témoignage, ce qu'elle a vécu, les conséquences de ce qu'elle a subi de cette guerre. Aujourd'hui, ayant perdu ses enfants, elle a ses deux filles qui sont là, son enfant de 2 ans, diabétique, asthmatique. On prend la femme. On la torture, pas de noyade, on menace. On lui dit après, si tu veux être libéré, avoue juste que c'était une fabrication de ta part, tu étais instrumentalisé, et comme ça nous allons te libérer. Déclaration qu'elle a faite devant les enquêteurs, ensuite devant le procureur, espérant à sa libération, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas les moyens d'aller en affront avec ceux qui ont les manettes de la République. Mais malheureusement, ce soir, elle a été transférée à la prison de New Bell. Transférée à la prison de New Bell parce qu'on veut exploiter le cas de Stéphanie Njomo, ce que vous avez vu sur la toile. Déjà, il y a des cabinets noirs qui expliquent qu'elle est militante du MRC. On prépare psychologiquement les Camerounais. A fait comprendre qu'aujourd'hui, cette militante du MRC a été payée par le MRC, encouragée par Equinox, qui a organisé une sortie dans le but de dénigrer l'armée camerounaise et l'État du Cameroun, mais sous les ordres et l'instrumentalisation du MRC. Donc dès demain, ne soyez pas surpris, vous aurez une version de ses dires, son audio même, la déclaration, vous auriez dès demain sur la toile qu'elle a reconnu les faits. Et ne soyez pas surpris qu'on vous dise qu'elle-même elle a avoué d'être le MRC, qu'on fabrique même une carte de membre du MRC qu'on vous présente sur la toile. Parce que le but, c'est de démontrer à suffisance que le MRC finance, soutient la guerre dans le Nouso contre l'État du Cameroun. Peuple, ce que je vais dire, à l'heure où je vous parle,
Lorsqu'une force s'exerce sans la justice, ça devient de la tyrannie. À l'heure où je vous parle, ceux qui ont les manettes de la République ont décidé de tuer tous les Camerounais, de réduire au silence par tous les moyens, de créer une psychose généralisée dans l'État du Cameroun. Personne ne doit s'exprimer. Une virulence et une brutalité incroyable qu'on n'a jamais vue. On ne regarde pas la condition humaine. On ne regarde pas votre état. Que vous souffrez, que vous soyez malade, que vous soyez vieille, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune. Nous sommes arrivés à un stade où la dictature décide d'écraser tous ses enfants. Que vous soyez du bord du régime, que vous soyez du bord de l'opposition, que vous soyez Cameroun, que vous soyez n'importe qui. Tant que vous allez dénoncer l'État et les avatars de ce régime, ils ont décidé d'utiliser une violence incroyable pour détruire les petites personnes que nous sommes. Mais ceci ne peut que prospérer. Ceci ne peut que prospérer si dans votre conditionnement, vous estimez qu'ils sont très forts. Et que vous vous résignez. Cette condescendance de ceux qui nous gèrent doit être finalement la démonstration de l'opulence et de l'orgueil de ceux qui nous gèrent, qui veut défier un peuple. Et si le peuple, donc, est finalement souverain, si le peuple est celui-là qui doit être responsable de ses choix, de ceux qui doivent gérer, il est inacceptable et intolérable d'accepter que les gens doivent décider de vie ou de mort sur nous. Ils ne sont pas plus humains que nous. Ils ne sont pas des super, bien des suprasants. Ils sont des êtres vivants comme vous et moi. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Ndjomo. Il y avait les avocats hier. À qui le tour? Est-ce qu'on va laisser que cette dictature mange nos frères chaque jour et rester indifférent? Est-ce que nous allons laisser subir davantage ce qui se passe? Parce qu'ils ont finalement pour mission dans toute l'ensemble du territoire national d'écraser tout individu, tout groupe, toute organisation qui osera s'élever ou dénoncer ce régime. Donc le défi à nous, un défi s'ouvre à nous. Est-ce que nous allons rester, continuer d'être tièdes face à cette brutalité exercer sur nos compatriotes? Est-ce que nous allons rester indifférents face à la montée de la violence et de la brutalité exercée sur les Camerounais? Nous avons tous les éléments à notre possession pour barrer la voie à cette injustice. Le malaise est généralisé. Dans tous les secteurs. On ne respecte plus personne au Cameroun. On exerce la dictature de la pensée unique. Si tu veux parler au Cameroun, tu veux t'exprimer, il faut parler et penser comme ceux qui nous gèrent. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'amis dans l'opposition aujourd'hui. Parce qu'ensemble, ils se reconnaissent dans le même discours. Mais nous n'allons pas laisser des pauvres gens être écrasés. Pour ceux qui ont encore l'humanité, pour ceux qui estiment que le Cameroun est encore cher pour vous,
Il faut qu'ensemble, nous nous levions et qu'on dénonce ce qui est en train de se passer. Ensemble, que nous nous levions et nous dénoncions ce qui est en train de se passer. Si nous ne faisons rien, nous aurions juste nos yeux pour pleurer. Jomo Stéphanie qui est malade, asthmatique, qui laisse aujourd'hui ses enfants que vous avez vu, des jeunes filles, avec un bébé de 2 ans, et qui, je ne pense pas, va tenir. Elle n'a pas eu sa libération. Elle sait que là, on veut l'utiliser pour mettre en difficulté le MRC. Et je ne pense pas qu'elle va accepter ce deal, parce qu'elle n'a pas été libérée. Ils n'ont pas respecté. Donc, voilà une femme qui risque de perdre la vie sous nos yeux. Voilà une femme qui risque de mourir parce qu'elle a osé témoigner. Je dis bien témoigner ce qu'elle a vécu. Elle a osé témoigner ce qu'elle a vécu. On a la dictature qui brise la liberté d'expression. Et nous restons tranquilles. Donc, si je faisais ce direct, c'était pour mettre en alerte. C'était pour vous dire, si demain, vous remarquez sur la toile une certaine communication qui veut incriminer le MRC en utilisant la situation ou bien le problème de Madame Stéphanie Ndjomo, comprenez que le cabinet noir est en train d'agir pour finalement décider de dissoudre le MRC et présenter à la face du monde que le MRC est le premier financeur ou bien celui qui encourage, est cette organisation qui encourage la guerre dans nos zones. Et Madame Stéphanie Ndjomo risque d'être une victime. Elle a déjà perdu ses enfants dans cette guerre. Et ils vont l'écraser. Ils vont l'écraser parce qu'ils estiment qu'en le faisant, c'est réduire l'ensemble des Camerounais au silence, que personne ne doit parler. Donc vous allez donc comprendre que dans cette phase où cette brutalité s'exerce de plus en plus, nous serons obligés d'aller aussi au-delà, même s'il faut que nos vies puissent rester. Je ne veux pas vous attrister dans votre sommeil, mais voilà la situation. Et une pensée pour cette dame, Stéphanie Ndjomo, qui actuellement souffre, n'a jamais connu de prison. Malheureusement pour elle, elle va se retrouver en prison parce qu'elle a dû partager son expérience et qu'elle a vécu de cette guerre. Où elle a pu expliquer à la face du monde ce qui se passe au Cameroun. Aujourd'hui, elle est en train de subir parce qu'elle a eu le courage de témoigner. Donc on empêche aujourd'hui les Camerounais de s'exprimer. Les Camerounais souffrent. Les Camerounais pleurent. Mais le drame, c'est qu'on empêche même aux Camerounais qui pleurent de pouvoir exprimer leurs pleurs. C'est très grave. C'est très grave. Je dis c'est très grave. Si ce pays que je connais, si la société civile, les opposants qui disent lutter pour le bien commun se taisent face à cette situation, c'est très grave. Si personne ne s'indigne, si les organisations des femmes au Cameroun ne s'indignent point contre cette violence qu'est en train de subir ces dames, c'est très grave. Si les associations des femmes de tous les coins et les recoins du pays ne s'indignent pas, ne se lèvent pas, pour la dignité de la femme camerounaise.
C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. Vous avez vu ces enfants? Vous avez vu dans quelle situation elle vit, cette dame? Vous avez vu ce qu'elle subit? Mais ceux qui estiment détenir la puissance, la force, se déchaînent sur une femme innocente, inoffensive, simpliste, qui ne représente rien du tout. On sort tout le dispositif répressif pour neutraliser, torturer, battre, humilier et contraindre cette dame de pondre des inepties, de se contredire, de se dédire. Et ça, on veut rester silencieux. Et ça, c'est pas le Cameroun que j'ai connu. Où des gens sont fiers de saluer, de dire que cette femme est instrumentalisée, est utilisée par un parti politique pour déstabiliser les institutions. Et des gens se plaisent dans ce jeu parce qu'ils reçoivent quelques pertièmes de circonstances. Et décident de livrer à la barbarie de ce régime une femme simple. Une femme qui n'a pas demandé à naître camerounaise. Une femme qui voulait vivre son petit bonheur tout autour d'elle. Une femme qui voulait être à côté de ses enfants, les voir grandir, les encourager. Se battre pour donner la fierté à sa famille. Mais aujourd'hui, elle a été arrachée au milieu de ses enfants. En abandonnant des enfants de, un enfant de 2 ans. Étant asthmatique, diabétique. Elle se retrouve à Nouvelle. Parce qu'elle a témoigné son vécu. Témoigné son vécu à la face du monde. Et si on reste comme ça, hein, les amis, dormez. Je pense que bonne nuit à vous. Bonne nuit. Ce qui arrive, va arriver. Ce qui va arriver, va arriver. Bonne nuit. Bonne nuit. Ce qui doit arriver, doit arriver. Ce qui doit arriver, doit arriver. Que ceux qui continuent de se jubiler, que ceux qui estiment qu'ils ont la force, le pouvoir, j'espère que demain, ils auront le courage de nous regarder face à face. Parce qu'il n'appartient pas à un homme de marcher. Il n'appartient pas à l'homme qui marche d'avoir l'assurance de son lendemain. Ça ne dépend pas de lui. Rien n'est acquis sur la terre des humains. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et j'espère que ce que vous êtes en train de faire subir à cette dame, aux autres Camerounais,
qui ne demandait que la justice sociale. Vous allez avoir le courage de nous affronter. Je suis certain, ça va finir. Si ce n'est pas la violence, ça va seulement se faire. Bonne nuit à vous. Il y a quelqu'un que je dois bloquer avant de le couper.